Donc Marie Dubois, vous êtes chargée de prévention à la PléataSEP, qui est une association spécialisée dans la prise en charge des addictions et qui gère notamment des XAPA, des centres de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie et des CARUD. Vous êtes également développeuse nationale du programme Unplugged que vous allez nous présenter, donc développeuse nationale au sein de la Fédération Addiction, qui est intervenue d'ailleurs ce matin pour nous présenter le guide repère addiction et troubles psychiatriques. Donc je vous laisse nous présenter ce programme, qui est un programme innovant de prévention des conduites addictives en milieu scolaire, basé sur le développement des compétences psychosociales. Bonjour à tous. Donc du coup, je vais reparler un petit peu de l'association, etc. On est ensemble du coup pour redébuter cet après-midi qui, j'imagine, va être intense pour vous. Donc du coup, je me présente, je m'appelle Marie Dubois. Donc je fais partie de l'association PléataSEP. C'est une association dans le département du Loiret. Donc on est basé notamment sur Orléans et Bourges. Et c'est une association par rapport à tout ce qui est prise en charge des addictions. Donc il y a des centres de soins, des centres d'hébergement, du CARUD, etc. Et je fais également partie du pool de développeurs national du programme Unplugged au sein de Fédération Addiction, c'est-à-dire que Fédération Addiction a un pool de formateurs et on est appelé durant toute l'année scolaire pour venir former des futurs co-animateurs qui voudraient se lancer dans Unplugged et également des chargés de prévention. Pourquoi j'ai été appelée pour présenter Unplugged cet après-midi? Je pense que vous êtes au courant des faits, etc. L'idée, c'est qu'à l'adolescence, on sait que plus on expérimente tôt, plus on a de risques derrière d'entrer dans une consommation régulière ou dans une dépendance à l'âge adulte. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir avoir des programmes de prévention qui vont aller vers les plus jeunes. Donc, je vous laisserai découvrir après à quel âge on peut faire le programme Unplugged. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de faire que cette expérimentation chez les jeunes se fasse le plus tard possible pour qu'il y ait moins de problèmes ou moins de consommation, en tout cas à l'âge adulte. Je vais directement aller dans le vif du sujet et je vais directement vous montrer les impacts les résultats de l'évaluation d'Unplugged dans le Loiret qui a été fait sur l'année scolaire 2016-2017. Comme ça, vous allez voir directement quels sont les résultats et après, vous pourriez découvrir le programme, en quoi il consiste et qu'est-ce qui se passe dans ce programme pour que ça ait ces résultats-là. C'est les principaux résultats. Hein. S'il y en a qui veulent avoir encore plus de précisions, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Santé publique France qui a fait l'évaluation. Vous aurez tout un tas de résultats. Je vous présente de manière générale. Donc, on a un effet bénéfique sur les expérimentations de tabac, de cannabis et les épisodes d'ivresse. Et c'est principalement le but du programme de prévention à ce moment-là. On a un effet bénéfique sur tous les médiateurs ciblés. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les présenter. Ça va vous parler beaucoup plus et on en reparlera sur cette diapo-là. C'est un effet plus important chez les garçons. Également plus important pour les enfants dont les parents tolèrent une substance. C'est-à-dire que si on a des parents qui sont fumeurs ou en tout cas qui tolèrent le fait que leurs enfants soient fumeurs, et ben ça va avoir un effet plus important chez ces enfants-là. Ça va avoir un effet également plus important pour les élèves qui sont situés dans des établissements défavorisés. Et ça va avoir un effet corrélé au nombre de séances. Je vais vous l'expliquer aussi plus tard, mais là, c'était vraiment pour vous montrer les résultats. On sait qu'il est validé, on sait que ça a des effets. Et donc, du coup, ensuite, vous allez pouvoir découvrir le programme. Pour que ça vous parle encore plus, je vous montre du coup des chiffres. Ne prenez pas peur, je vais vous l'expliquer. C'est un graphique qui vous montre la consommation dans les 30 derniers jours. Et donc là, on peut voir, par exemple, que ce qui est entouré en vert, c'est 8 mois après le début à peu près de l'année scolaire. Donc c'est vers mai-juin. Et l'idée, c'est qu'en orange, vous avez les élèves qui ont eu Unplugged. Et en bleu, vous avez les classes qui n'ont eu aucun programme de prévention, que ce soit Unplugged ou un autre. Et donc, par exemple, on voit qu'en mai-juin de cette année-là, ceux qui ont fait partie d'Unplugged sont 3,7%
à avoir consommé dans les 30 derniers jours au moins une cigarette, alors que pour ceux qui n'ont pas eu Unplugged, par exemple, bah, du coup, ils sont trois fois plus. Et on a le même type de résultat pour au moins une ivresse et au moins un usage de cannabis. Et je vous montre le même graphique avec par contre là le principe de se baser sur les nouveaux expérimentateurs. Donc pareil à 8 mois, donc mai-juin, par exemple quand on regarde pour les cigarettes, et bah il y a moitié moins de nouveaux expérimentateurs pour les élèves qui ont eu le programme Unplugged comparé aux élèves qui n'ont pas eu ce programme et qui n'ont eu aucun programme de prévention. Pour les ivresses, c'est pareil, il y a 2,2% de nouveaux expérimentateurs contre presque 10% pour ceux qui n'ont pas eu Unplugged. Et pour le cannabis, c'est trois fois moins également. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment des résultats par rapport à la consommation. Et on va voir un petit peu plus tard qu'il y a aussi des résultats par rapport à autre chose qui rentre en jeu dans ce programme. Je vous présente le programme. C'est un programme qui est validé scientifiquement, c'est-à-dire que il y a eu des évaluations qui ont été faites dans plusieurs pays européens, etc. Donc c'est un programme qui est validé scientifiquement, qui est probant, qui s'adresse surtout aux jeunes de 12 à 14 ans. Donc l'idée, c'est pour vous donner un ordre, c'est de 6e à 4e, et on essaye au maximum de faire avec les 6e et les 5e. Et si on peut faire que des 6e, c'est encore mieux. On disait de toute façon tout à l'heure, plus c'était pris tôt, mieux c'était pris en charge. Donc l'idée, c'est de pouvoir le faire le plus tôt possible dans les années du collège. Et donc du coup, c'est un programme de prévention qui va viser à réduire l'initiation des jeunes aux substances psychoactives, surtout tabac, alcool et cannabis. Et le monsieur que vous voyez, c'est Pierre van der Kreeft. Il fait partie du groupe qui a inventé ce programme. Et pour inventer ce programme, ils se sont basés sur le fait qu'il fallait que ce soit adapté en milieu scolaire, que ce soit adapté au contexte culturel, que ça adopte des stratégies d'intervention validées, je vais vous les expliquer juste après, et que ça possède des caractéristiques d'intervention efficaces pour la prévention. Par exemple, on sait que fonctionner sur la morale, la peur, etc., ça ne fonctionne pas. Donc, ils se sont dit, on va se baser sur des choses qui fonctionnent en prévention. La construction du programme, donc le programme Unplugged, il y a 12 séances, dont une qui est optionnelle. L'idée, c'est de pouvoir faire une séance par semaine. Donc, par exemple, on peut commencer en janvier. Généralement, ça nous fait terminer vers le mois de mai, quand le Covid ne s'y met pas. Et si on commence en septembre, dès le début de l'année, bah, du coup, en décembre, on a fini largement. L'idéal, c'est une fois par semaine. Après, c'est possible que dans certains collèges, on puisse faire une fois toutes les deux semaines, mais il ne faudrait pas dépasser cette amplitude. C'est basé sur des méthodes interactives et c'est délivré en classe. Voilà comment ça se passe. C'est un programme qui, à la base, a été construit de manière à ce que tous les professionnels de l'éducation nationale qui veulent se lancer, donc ça peut être infirmière, CPE, ça peut être assistant d'éducation, ça peut être enseignant, ça peut être principaux adjoints. L'idée, c'est que ils venaient à une formation de 2 jours, on leur donnait le programme et ils se lançaient à faire le programme tout seuls. Et on s'est rendu compte que bah, finalement, il y en a certains qui se démotivaient, il y a des choses qui n'étaient pas forcément faites de la meilleure des manières pour que ce soit efficace. Donc à partir de maintenant, depuis l'année dernière, dans toute la France, il est déployé en co-animation. C'est-à-dire qu'il y a un chargé de prévention qui sera avec le professionnel qui veut mener Unplugged, et ce sera toujours des séances en co-animation. Pendant la première année, les 12 séances, donc 13 s'il y a celle optionnelle, elles seront co-animées, donc on sera en binôme tout le temps. Ensuite, s'il continue, la deuxième année, à chaque fois, il y a une autonomisation progressive, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a 3 séances qu'il anime seul, jusqu'à arriver à la quatrième année où vu qu'on les motive, etc., vu que les enseignants sont super motivés, arrivé à la quatrième année,
Et au-delà de cette quatrième année, on garde toujours 3 séances avec eux, puisque vous allez voir que dans les 13 séances, il y a 3 séances qui concernent principalement les produits. Et l'idée, c'est de ne jamais les mettre en difficulté et que nous, on soit là, puisqu'on est professionnels des addictions et qu'on soit là pour avoir les bonnes informations et être sûr que la séance se passe correctement et qu'ils ne repartent pas avec des fausses idées, etc. Donc, c'est en co-animation, en binôme. On a du temps pour préparer les séances. Ils ont, les co-animateurs ont un livret avec toutes les séances, tout ce qu'il faut dedans, les activités, etc. Donc, vraiment, c'est un programme où on les accompagne tout le long de l'année et finalement tout le long de leur formation, si on pourrait dire. Et tout à l'heure, je vous disais que on allait jouer sur des médiateurs cibles. Finalement, le programme, il va impacter la consommation, comme je vous ai montré tout à l'heure, via ces médiateurs-là. C'est-à-dire que pendant les 13 séances, on va travailler sur ces médiateurs-là pour que derrière, la conso soit la plus tardive possible ou l'expérimentation soit la plus tardive possible. La correction des croyances normatives, l'idée, c'est de corriger ces croyances-là. Typiquement, croyances normatives, ça va être tous les jeunes fument. Donc, inconsciemment, je vais également fumer pour rentrer dans la norme. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas vrai, tous les jeunes ne fument pas. Donc, c'est corriger toutes ces croyances normatives qui vont faire que ça va changer leur comportement pour rentrer dans la norme. La diminution des attitudes positives vis-à-vis des drogues, c'est tout simplement être au courant que l'effet attendu, c'est pas le même que l'effet qui va vraiment se passer et l'effet réel. Donc, diminuer ça. Résistance à la pression des pairs, je pense que vous êtes au courant. Du coup, savoir dire non, être en confiance, jusqu'où je suis prêt à aller pour faire partie d'un groupe, etc. Et déploiement des compétences psychosociales. Finalement, les compétences psychosociales, c'est ce sur quoi on va également jouer tout au long du programme. Les compétences psychosociales, ça fait partie d'une définition de l'OMS. Et finalement, si je résume, c'est des compétences de vie qu'on va avoir qui vont faire qu'on va répondre avec efficacité aux épreuves de la vie quotidienne, à la gestion du stress, il se passe ça. Si j'ai cette compétence, si j'ai une compétence de vie et des compétences psychosociales, je vais réussir à gérer cette situation et à finalement gérer toutes les situations de la vie quotidienne sans que ça me pose énormément de difficultés. Et ça engendre, bien sûr, un état de bien-être mental. Là, vous avez les 10 compétences psychosociales qui sont connues. Elles marchent par pair. Donc, vous voyez, il y a résoudre des problèmes, prendre des décisions, avoir une pensée critique. Et finalement, en fait, on va travailler sur toutes ces compétences-là et tous ces médiateurs que je vous ai cités juste avant pour justement avoir un impact sur la consommation. Unplug, c'est des séances toujours structurées. Je vous ai dit tout à l'heure, les co-animateurs, ils ont un livret, tout est structuré dedans. Il y a toujours des activités collaboratives, justement, pour toute cette cohésion et réussir à développer ses compétences psychosociales avec les autres. Il y a toujours des mises en situation, donc ils sont toujours actifs. Il y a toujours des retours réflexifs, justement, pour échanger sur ce qui vient de se passer et les avis qu'ils peuvent avoir. Et ils ont toujours un temps avec un livret élève pour se poser et réfléchir à ce qui vient de se passer. Et pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous, et après, comme ça, on aura terminé, je vous montre les titres des séances. Vous allez voir que finalement, il y a 13 séances. Il y en a 3 seulement qui sont par rapport aux produits. Donc, c'est la 3, alcool, risque et protection. La 5, tabac, chicha, que sais-je. Et on a la 9, info, intox. Et finalement, on n'a que ces 3-là sur les produits. Et les résultats qu'on a par rapport aux consommations et aux expérimentations, on se rend compte que finalement, c'est en jouant sur tous ces médiateurs, en jouant sur les compétences psychosociales, en jouant sur le fait de corriger leurs croyances normatives. Vous avez vu, il y a des séances où on parle d'être dans un groupe, il y a des séances où on parle de savoir dire non, d'exprimer ses émotions, de savoir qu'on a des qualités, etc. Et c'est de jouer sur tout ça et sur ces 13 séances qui font que on a un impact sur la consommation. Ça, c'est par exemple ce que des élèves nous disent à la fin des séances pour vous rendre compte qu'eux-mêmes ont du recul et se disent « Ah oui, ça m'a appris des choses.
J'ai appris que j'étais responsable, j'ai appris à dire non, j'ai appris que j'étais drôle, j'ai appris que j'avais des qualités. Et finalement, si je sais que j'ai des qualités, si je me rends compte que je sais dire non, si je me rends compte que je sais travailler en groupe, que j'étais responsable, bah c'est toutes ces compétences-là qui vont faire que derrière, j'ai moins de risques, en tout cas, d'aller vers une consommation ou vers une expérimentation. Et on garde juste en tête que, et c'est pour ça qu'il y a aussi un accompagnement, qu'il faut une attention particulière sur le degré de mise en œuvre. On se rend compte que finalement, plus le nombre de séances sont faites complètement, plus il y a de séances et plus on se rapproche des 12-13 comme le programme Unplug le veut, et plus il y a des réels résultats. Donc il y a vraiment ce côté-là de... On a le programme, on l'a en main, il est structuré et on essaye de d'être fidèle à ce programme au maximum pour que ça ait les impacts que je vous ai montrés tout à l'heure. Et je vous remercie de votre attention. Et je suis disponible pour des questions sans problème. Je vois qu'il y a déjà eu une question dans le chat. Ce que je propose, c'est que en fait, vous pouvez aller voir sur le site de la Fédération Addiction. Il est noté toutes les régions qui déploient Unplugged depuis quelques années, etc. Et si vous voulez avoir encore plus d'informations, n'hésitez pas à vous adresser vers l'ARS, vers le rectorat. Après, le déploiement finalement d'Unplugged dépend des régions. Donc du coup, je peux répondre pour ma région à moi, pour la vôtre, pas forcément, mais pour avoir plein d'infos sur le site d'Unplugged. Et l'ARS, l'Agence régionale de santé, peuvent répondre aussi à ces questions-là. Alors, de base, c'est un programme qui va se déployer dans les établissements scolaires. Mais nous, par exemple, on l'a déjà essayé dans un ITEP. Il y a eu des remarques des éducateurs disant que il y avait un réel investissement déjà des personnes et que du coup il y avait cette cohésion et ce travail d'équipe qui était amené de plus en plus et de meilleures relations entre eux. Après, des résultats validés comme je vous ai montré, il n'y en a pas. Oui, c'est-à-dire que c'est la Fédération Addiction qui va mandater des développeurs ou des formateurs comme moi, par exemple, pour venir former dans des centres de soins, dans des XAPA, dans des associations, les chargés de prévention. Et du coup, c'est eux qui vont aussi mandater des formateurs pour former du coup les enseignants ou en tout cas les personnels éducatifs des établissements scolaires. En fait, il y a pour être un chargé de prévention ou un infirmière ou peu importe, un professionnel de santé qui co-anime Unplugged, il faut avoir reçu une formation de 3 jours. Et pour les enseignants ou les personnels éducatifs des établissements scolaires qui souhaitent co-animer Unplugged avec des professionnels de santé, eux, ils vont recevoir une formation de 2 jours. Et c'est dans chaque région, par exemple, la semaine prochaine, moi, je vais à une formation dans la région de Bordeaux pour former les chargés de prévention. Et c'est là où je me retourne un peu vers ce que j'ai dit à la fin, comme quoi, pour avoir ces résultats-là, il faut vraiment avoir une attention sur le fait que ce programme, il doit être... fidèle à ce que je viens de vous présenter. On n'a pas de résultats sur les lycées. Il n'a jamais été mis en œuvre dans les lycées. Après, il y a forcément des techniques pédagogiques, des activités qui peuvent être utilisées et qui seront toujours bénéfiques aux jeunes. Mais ce programme-là, il n'a pas été implanté, en tout cas au lycée. Au lycée, ce sera peut-être plus d'autres programmes... que ce soit par rapport à de la réduction des risques où il y a déjà eu une entrée dans la consommation. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, 6e, c'est le mieux du mieux, parce qu'ils sont pas forcément, en tout cas, ils sont moins nombreux à être rentrés dans une consommation. Non.
Quand je dis santé, j'entends médico-sociaux. On a déjà eu des psychologues qui ont été formés pour faire une plug. Il y a déjà eu des infirmières, des assistantes sociales. Donc, pas forcément de santé. Oui, oui. En effet, je vous disais, il y a 12 séances, dont une optionnelle. Donc, ça fait déjà 12 heures de temps sur la dite classe, etc. Il y a du temps aussi pour préparer les séances ensemble. Donc, c'est du temps. Et en même temps, généralement, nous, on privilégie des professeurs principaux, par exemple. Ou alors, si c'est des personnels en dehors de l'enseignement qui vont prendre une classe, et ça va être sur des temps de vie de classe. Donc, c'est pas forcément des heures qui sont rajoutées. Et ensuite, les enseignants, généralement, vont voir finalement ce que ça va apporter Unplugged et vont se dire que ils ont perdu du temps, entre guillemets, mais derrière, ils en ont gagné parce que tout va plus vite, même dans leurs cours. Ils vont finalement utiliser aussi les techniques pédagogiques qu'ils vont apprendre dans Unplugged ou qu'ils vont renforcer dans Unplugged pour leurs cours. Et finalement, ça va être plus fluide. Ils vont gagner du temps derrière. Donc, je suis d'accord avec vous. Ça peut être un argument ou une difficulté, en tout cas, rencontrée dans les établissements scolaires. L'idée, c'est de pouvoir faire au mieux avec le temps de chacun et les besoins de chacun. L'idéal, en fait, c'est d'avoir la direction avec nous. On se rend compte que finalement, dès que la direction elle fait partie du programme, qu'elle est motivée, et ben tout est plus simple dans les établissements scolaires. Même par rapport à l'organisation, nous par exemple, dans les établissements scolaires dans lesquels on va plusieurs années de suite, on voit avec eux avant même l'été, par exemple, ils vont nous dire, nous dans les emplois du temps, on va faire attention à ce que ce soit le jeudi qui est toutes les vies de classe. Donc, il n'y a pas non plus d'heures en plus et c'est vraiment une organisation à avoir. Et si vous pouvez toucher la direction, ce sera beaucoup plus simple pour vous et pour eux. Eh bien, l'idée, c'est qu'il y a énormément de bouche à oreille déjà. Dans le sens où il y a des enseignants qui sont formés à Unplugged, qui vont dans d'autres collèges, donc qui impulsent le programme dans d'autres collèges qui n'ont pas eu Unplugged, etc. Et après, nous, c'est aussi, on fait d'autres programmes de prévention. Et donc, du coup, on va avoir des liens avec des écoles primaires qui, eux, vont avoir des liens avec des collèges. Avant, on faisait d'autres actions dans les collèges. Donc, c'est en ayant un pied à terre dans les établissements scolaires que finalement on va faire découvrir Unplugged et que chez nous en tout cas ça se passe comme ça, les établissements scolaires vont revenir vers nous en disant moi j'aimerais bien faire Unplugged et ensuite c'est la Pléiade qui gère avec l'ARS et les demandes de financement etc. C'est une très bonne question et à faire en 30 secondes, ça va être super difficile. Je vais faire au mieux. Les leviers, il y a l'évaluation, le fait que les enseignants soient motivés. Il va y avoir aussi le côté, ça va faire partie de la vie de classe. Et il y a aussi le côté levier dans le sens où finalement ça va améliorer aussi le climat de classe. Donc ça, c'est dans l'évaluation. Mais ça veut dire que ça ne va pas non seulement améliorer le climat de classe avec l'enseignant qui va faire Unplugged, mais que c'est aussi finalement un projet aussi d'établissement et que ça va améliorer dans l'idée le climat de classe de tout le collège, puisque si on fait tous les sixièmes à chaque fois, au bout de 4 ans, tout le collège a eu Unplugged. Donc ça, c'est vraiment aussi un levier. Et le frein, généralement, le plus souvent qui est connu, c'est celui qui a été cité précédemment, c'est le temps à donner et comment s'organiser avec les enseignants.